prochain jeu, le prochain développeur va être intéressant. Quand vous voyez comme la superficie de la map, le nombre d'éléments, la dureté, la difficulté du jeu, le réalisme qui a tout le temps, vous dites jusqu'à présent les Xbox sont fonctionnels. Mais vraiment, parce que vous voyez Kingdom Come, c'est un peu ça. Vous voyez, on est dans ils ont fait un jeu encore plus beau qu'un Skyrim. Pourquoi Kingdom Come est plus beau que Skyrim? Parce que c'est en réel, c'est-à-dire que les deux frais jouent. Vous n'avez pas une armure de plate, vous avez des vêtements légers, vous frais dans la tête. Et vous pouvez une épée, c'est vous qui dirigez vos combos. Avec votre joystick, la direction que vous attaquez, c'est vous qui faites vos combos. Il est magnifique. L'histoire est... Ah, il est magnifique. Bon. Moi j'attendais. Moi j'attendais. Terra ? Terra aussi. Eh, par contre, Martial, t'as encore toi la PS4? Ah, parce que même David, c'est dommage qu'ils ne font pas ce jeu-là sur Xbox. C'est, je sais pas si t'as vu, c'est Daygon, le jeu Daygon, et qui est un jeu de zombies. Oh là là. Ah ouais, c'est énorme, hein. C'est énorme, hein. Mais par contre, si c'est toujours... Ouais, mais t'imagines, si c'est toujours comme ça, c'est un... ça me ferait un peu... ouais, moi je l'ai, quoi, mais c'est que des jeux campagne, tu vois que j'ai... Ouais, ouais, c'est énorme, hein. Il y a beaucoup plus, hein, des jeux. Non, mais ils ont... Après sur console, on va voir ce que ça va donner. Hein, parce que PC, c'est ressources limitées. Hein. Mais j'ai regardé sur PC, moi, le... parce qu'il y avait déjà eu des gars hein, qui avaient fait des jeux au mois de décembre. Ouais, c'est au mois de décembre que moi j'ai pas participé. Et ouais, d'après la conclusion des joueurs, excellent. Ouais, je... Bon, et hey, voir mieux que PC. C'est sur PC. Bah oui, ouais, parce que c'est des joueurs PC à la base. Ils n'en venaient pas la facilité avec une manette en main. Ah, c'était pas évident. C'est pour sortir sur console. Ouais, c'est destiné, on l'a vu.
qui a cartonné sur PC, qui est adapté clavier souris, qui est adapté manette, qui est sorti sur la console juste pour le pognon et pour rien d'autre. Oui. La Terra, c'est vraiment pour la viabilité. Là, pour moi, c'est un jeu générique aussi à tard, mais en plus, graphiquement, elle était vraiment magnifique. Le manon d'Alpedo. Là, il est beau. Hein. Vraiment mal. C'est... Et... Bah, de toute façon, moi, j'ai juste à voir l'écran d'accueil. Ouais, déjà. Il est beau. Il est beau parce que l'avatar, il est magnifique, en fait. Donc après, est-ce que sur les serveurs, en termes de population, ça va tenir ? Question. C'est une autre question. Parce que tous ceux qui ont joué à Neverwinter vont déserter, ou aller sur Terra. Oui, c'est évident. Pas le même jeu, ceux qui sont... Tous les mecs qui sont sur Neverwinter vont arriver. Ça va faire une communauté assez impressionnante. Je sais pas si t'es comme toi, mais quand on jouait à Terra, tu te sentais vraiment en liberté. Contrairement à la j'ai vu sur les boss dehors là, c'est des gros boss et vas-y. Et si dès qu'il y a des joueurs pour y aller, Por ella doy mi vida, también mi corazón. DJ Perico, holler at you over the airwaves. It's kind of a bad day here. David, en toute honnêteté, tu aurais Monster Hunter World, tu t'éclaterais. Ah, je Kingdom Come en solo. Oh, Kingdom Come, je suis persuadé que tu fais tous les succès que le jeu que tu fais. Il y a des gros titres qui sortir là. Ouais, mais ça vaut pas le coup par rapport à Kingdom Come et Monster Hunter en termes de RPG. Il n'y a pas de quoi RPG quand même. Il y a juste Terra en MMO. Allez, re, désolé, il y a quelqu'un qui est venu sonner chez moi. Ce qui est un peu triste sur Xbox, c'est la HD. Il y en a très peu. Et là, franchement, il y en a deux qui sont sortis, c'est Kingdom Come et Monster Hunter. Ça va vraiment très haut. Mais quand on regarde le calendrier de Monster Hunter 2013, pour RPG, c'est pauvre. Et un nouveau Dragon Age qui a annoncé. Ouais, allez. J'suis en train de jouer. J'suis en train de jouer à un jeu, Martial. Avec une différence de la console, un jeu que j'aime bien. Otra cerveza por acá, que día de celebrar. C'est un peu moins, mais... Fuck up, people. Et mais moi, je joue. To the market, James. C'est sur PC ça, David ? Ah, il est gratuit, hein. Bon, en fait, c'est ce que tu lootes dans le jeu, je suppose, hein, quand tu regardes ce qu'ils ont mis en vente. Mais tu l'as ? Bah oui. Mais tu l'as, hein, mais tu peux jouer aussi avec des amis. Hein. Tu sais que ils ont. C'est pas le même système que Diablo. Par contre, quand t'as un ami. Oui, je vais t'expliquer. Si t'as un ami qui lui est déjà plus avancé, dans ce cas, toi tu fais tes quêtes, tu donnes un coup de main à ton ami. Eh, David, tu sais quoi sur. Oui. Firing.
Get ready, fire. La sortie, Roger. Roger. Good shooting. Let's clean up and move on. We're in a target poor environment. La belle perso que j'ai fait, moi, c'est de sortir. C'est ça quoi. Et quoi, c'était la grosse édition à ce prix là? Non, c'était l'édition standard ça. À 59. Ouais, c'est l'édition standard. Ça. Ouais, parce qu'on sait jamais, des fois ils font des belles promos hein, sur à Micromania quoi. Des fois c'est super intéressant quoi. Et par contre, c'est quoi David sur Assassin là, Origin là? Ils avaient sorti des DLC là, tu vois, avec la Season Pass. Moi je l'ai pas acheté, tu vois, la Season Pass je l'avais pas pris, je voulais attendre un peu. Ouais, eh ben, tu sais que toutes les armes, les montures et tout, tu les as dans les coffres. Tu sais, quand tu vas voir un jeune garçon là, eh ben j'avais 80 000 pièces d'or et j'ai acheté les coffres et en fait j'ai eu toutes les montures du DLC, enfin pas du dernier qu'ils ont fait ici, mais ceux d'avant, j'ai eu toutes les montures, j'ai eu toutes les armes, j'ai eu les boucliers, nanana et tout. J'ai dit bah merde alors. Je suis à 90% sans avoir le saison. Ouais, pareil. J'ai acheté le jeu standard. Ouais, pareil, moi aussi, tu sais. Moi aussi, t'inquiète. Moi, Des loot, ouais. J'en coupe pas 100% les armes. Oh, elle est montée. Sur Pass of Exile ? Non, sur Origin. Sur Assassin's Creed Origin. Et ouais, j'ai acheté les coffres et tout, tu vois, quoi, avec 3000 pièces, quoi. Ben, ouais, bon, c'est aléatoire, hein, bien sûr. Des fois, t'as du violet, puis voilà, quoi. Après, t'as les montures, t'as les armes, enfin, t'as voilà, tout ce qui est légendaire, le quoi. Problème, c'est que ça... Bah, c'est que du scénario. Moi, le concept que j'aime bien, dans ce jeu, c'est les quêtes qu'ils ont mis, tu vois. Les quêtes qu'on n'avait pas avant dans les autres, quoi. Ça, moi, je trouve ça génial, quoi. Bon, maintenant, c'est comme tu dis, c'est un peu répétitif. Ils auraient pu un peu changer. Voilà, ben moi, j'étais à 101 heures. Et à la fin, ben ouais, j'ai fini le jeu avec... J'ai fini le jeu avec 93%, Martial. 93... Ouais, c'est ça, 93%. J'avais été voir les statistiques du Ubisoft. Franchement, je vais dire la vérité, Olivier. Le beau-père, il l'avait. J'étais chez lui. J'ai pris la Xbox avec le pack Assassin's Creed Origins, parce que ça me plaisait. Ouais, ouais. Donc, j'ai petite dose. Franchement, petite dose. Parce que tu joues trop, c'est un jeu, c'est... Il m'a lavé le cerveau, il m'a saoulé. Je m'ennuie. J'arrive à un moment donné, limite, je m'endormais pour la console. C'était répétitif. Tu dis la vérité. Ah ouais, mais ça c'est autre chose. Bah, il a été bien vendu aussi, hein, le jeu. J'ai fait 48 heures sans dormir sur le jeu tellement il est bon. Tellement je me suis éclaté, j'ai pris du plaisir. Kingdom Come, c'est pareil. Il est 5h du matin, quoi. J'arrive pas à décrocher. C'est pareil, il est super. Là, franchement, il y a une qualité de jeu entre ces deux jeux. Et très franchement, je trouve ça triste que Kingdom Come, c'est un petit studio. J'espère qu'après ça, il va grossir. Et les critiques sur internet sont vraiment. C'est tout simplement parce que c'est un petit studio et là on voit que les tests ils sont achetés quoi. Tu vois, pourtant pour un là, petit pour studio moi, ils ont cartonné hein, quand même. Ouais, mais sur le jeu, et ben tu vois qu'ils attaquent un lourd, c'est-à-dire qu'ils attaquent qui? Ils attaquent Bethesda. Ah ouais, voilà quoi. Voilà, Kingdom Come, ils sont sur le terrain de Bethesda, monde ouvert, avec des possibilités monstrueuses, avec des guerriers qui sont super bien faits, des armures, enfin, mais d'une beauté et d'une qualité visuelle que vraiment réelle quoi. Ah, ça c'est dommage. Le jeu graphiquement, c'est vrai qu'il est en dessous. Mais quand on voit la superficie de la map, l'interaction des personnages, le nombre d'éléments dans le jeu, c'est un jeu que je note 17 sur 20. Ah voilà.
Ouais, niveau gameplay, mais niveau gameplay, c'est pas... Ouais. Ouais, c'est vrai. Enfin, moi, pour moi, mon avis, ouais, c'est deux, les, ces deux titres-là, pardon, ils sont très bons. Moi, j'ai été voir les gars là, sur Twitch et sur YouTube. Ah oui, franchement, c'est deux bons titres. Par contre, celui-là, le Kingdom, là, on peut le jouer en coopération, celui-là, c'est un multijoueur, quoi, hein, on peut le jouer... Non ! Ça c'est dommage, quoi. Ouais, ça c'est un cop à 4 joueurs. Ah, Kingdom, ça c'est dommage, quoi. Explosive unheard atrocities that Santa Blanca has committed. Stay tuned, compass. The revelations that Ramon Feliz uncovered will destroy the cartel's reputation, and even the most corrupt politicians will turn their backs on them. The truth shall set us free, amigos. L'avenir, ça reste quand même la coopération. Maintenant, hein, je pense. Ah oui? Les jeux solo sont délaissés. And together, we will build a new Bolivia. Listen up, público conocedor. A new recording from El Sueño. This one will blow your mind. Hermanos, compañeros, Santa Blanca. I thank you for your loyalty. And I love you as the shepherd loves his flock. This love is why I must point out to you how you lead yourselves as Ah, ils sont encore occupés de refaire un Skyrim, quoi. Oh, bah. La communauté l'avait demandé. Hein. Ah, bah voilà. Ils avaient dit... Et pourtant tu te rappelles, et ils avaient dit, hein, Bechedo, qu'ils avaient reporté le jeu parce qu'ils voulaient pas se planter là sur le online.
Et ils avaient dit qu'ils pouvaient pas se planter parce que sinon ça, ils allaient faire une grosse paire d'argent, quoi. Tu me dis qu'ils ont une paire de 50 millions, quoi. Dommage que Dragon Dogma Online, il n'a pas été travaillé pour l'Europe. Ça, là, il aurait fait un bravo, le côté indépendant. Ah, arrêtez des... Mais, David, tu crois ça, c'est un peu de jeu, il est peut-être pas en Europe avec une sorte de roi. Tu peux pas faire un Dragon Dogma Online en or. J'espère, putain. Les boss. Tu t'attaques à des vrais boss. Ah oui, et puis il est beau, hein. C'est une tuerie. Ouais. Putain, j'ai gueulé, moi. J'ai dit, putain, il sort pas en Europe. J'ai dit, putain, rien que pour lâcher. Il avait pas sorti sur Xbox, hein. Exclusivité Sony, hein. Je précise. Ah oui. En Asie, que sur PS4. Eh oui. Et en fait, c'est le problème de la Xbox à l'heure actuelle, c'est-à-dire que il n'y a pas cette contre-attaque au niveau du marketing sur les jeux, et que tôt ou tard, d'ici 1 ou 2 ans, la Xbox elle est morte. Dans le jeu vidéo, si là, le responsable de la One n'arrive pas à sortir 2 milliards ou 1 milliard d'euros pour avoir de vraies licences qui vont relancer la Xbox, parce que c'est une console qui, au même titre que la PS4, ça jouera vraiment pas grand chose. Et ça peut. Et là déjà on a un PD. Hein. Moi je le vois, good to go. J'arrive sur le chien. Moi je crois que ah ouais, je regarderai à 30 euros. Oh putain. Sur la One ? Ouais, sur la One, ouais. À fond. À fond. Ah, les gens ils partent beaucoup chez PlayStation, hein, j'ai déjà remarqué. Hein. Oui. Sur PC. Hein. Franchement, j'aurais un bon PC gamer. J'irai sur PC. Ouais. De quoi, David? Ah, c'est un portable, c'est un Asus, tu vois. C'est un portable, c'est un 8 Go, tu vois, c'est pas les,
C'est pas pour jouer, tu vois. C'est pas... Non, c'est pas pour jouer. Moi, je prends ça pour mes diffusions et tout, c'est tranquille, tu vois. C'est un de l'année passée que je... Ah, il est récent, je l'ai acheté l'année passée. I don't like leveraging a civilian's life to get the attention of this general. You don't like. How do you think the general's gonna feel? That girl's the apple of his eye. It's crossing a line. We're not crossing a line. We didn't threaten her, did we? We didn't tell the general we were gonna kill her, did we? We did not cross a line. That's semantics. Everybody in this... Ah, c'est très bon déjà, ah, une GTX. Mais David, en fait, maintenant ce qui se passe, c'est que les jeux sont de plus en plus beaux pour une seule raison. C'est qu'il faut se renseigner un petit peu. C'est le ah, comment ça s'appelle, le terme de compression qu'ils mettent dans les jeux. Ils ont trouvé un nouveau truc sur console et sur PC. Donc du coup, ils mettent moins sur le matériel, ils mettent plus sur le logiciel de conception du jeu. Donc les machines, ça va stagner pendant un moment en termes de 4 graphiques, etc. Là, pendant 2-3 ans, ça va stagner. La preuve, c'est que Terra, pourquoi ils l'ont pas sorti au début de la One? Parce que cette capacité de compression n'existait pas encore. Faut le savoir. Ouais, je regardais, tu sais, mes processeurs, parce que j'en ai 4, hein, c'est un 4 coeurs. Ben, le processeur, c'est des processeurs de 4,3 GHz. C'est énorme, il y en a 4. Avec un système turbo. Alors, tu parles, ouais. Pourtant c'est qu'un i5, hein, moi, mais c'est un i5 spécial. Moi, hein. C'est un i5, on va dire, spécial gamer. Non, mais c'est malheureux parce que Microsoft, ils auraient le même panel que Sony en termes de marketing. Bah, il n'y aurait pas de soucis en fait. Il y aura une grosse communauté sur la console. Mais c'est pas le cas du tout. C'est-à-dire que marketingment parlant, les jeux sont extrêmement chers sur le store. En termes de nouveautés, c'est ah, possible. J'ai vu. C'est beau. Eh, j'ai vu. Moi, j'ai vu les prix sur Steam. J'ai oh putain. Qu'est-ce que c'est moins cher? Il n'y a pas besoin d'abonnement. David, c'est les mêmes prix que sur PS4. C'est les mêmes prix que sur PS4. PS4, tous les mois, avec l'abonnement PS Plus, il peut te le dire, Olivier, il t'offre un vrai jeu. C'est pas des arcades, hein. Non, non. Des vrais jeux PS4. C'est des bons jeux, quoi. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, les jeux gratuits, c'est, ils sont beaucoup plus nouveaux que sur Xbox One. Nous, c'est vraiment ce que j'ai... C'est vrai, même moi, je le dis, hein, sur la One, des fois, c'est des jeux de merde qu'ils nous donnent. Ah oui. Ouais. Non, c'est super... C'est super intéressant. Nous, c'est vrai que sur la One, c'est abusé. C'est du vol. Ouais, c'est vrai. Moi je reste sur Xbox aussi parce que bon, moi la Xbox j'aime vraiment bien, ça fait des années que je suis sur Xbox. Et pour les amis et tout, tu vois, voilà. Tout à fait, c'est ça. Mais La PlayStation la reprend parce qu'ils ont sorti une manette de One sur PS4. Une imitation One. Donc je vais leur prendre la PS4. Ouais, je crois que. Ah ouais, voilà. Je
marche parfaitement bien. Quand je vois que Terra, c'était censé être une exclusivité Microsoft et qui sort sur PS4, le même jeu, même date, voilà, ça veut tout dire. Et l'avenir du jeu vidéo, de toute façon, salaud, c'est ce nom. C'est ce nom. Microsoft, ils se sont cassés les dents parce qu'ils sont trop diversifiés dans le Kinect, dans des trucs qui servent à rien du tout et qui ne plaisent pas au public. C'est trop du casual. En fait, Microsoft, à la base, faut pas oublier que la première Xbox, c'était quand même une console hardcore game. Ouais. C'était une console qui concurrence la PS2. Là, avec Xbox 360, ils ont pris le pas sur la PS3 parce qu'ils avaient les réseaux, le réseau technique et online. Et clairement, ils ont fait leur boulot. La console était équivalente à une PS3. Mais à la PS4, Sony, ils ont repris le dessus. Il faut pas oublier que c'est eux les patrons du salon et qu'ils ont repris les choses en main. Et qu'avec la devance qu'ils ont pris là sur 7 ans avec Xbox, Microsoft pourra jamais rattraper la console salon de Sony. Impossible. Ah, moi je dis, c'est dommage que les PC ils sont encore chers. Hein. Tu vois, tu vois, pas un. Ah ouais! Non, mais en fait, faut compter 800. 800 à 1000, un minimum. Hein. Mais ce sera toujours ça. Et le problème du PC, c'est que tous les ans. Ouais, mais comme c'est-à-dire tu que disais tout à l'heure, la RAM allait dépasser. Ouais, mais à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, en 2018, le mec a fait. C'est un exemple, un petit PC gamer à 800. Je veux dire qu'il est tranquille sur 2-3 ans, hein, je veux dire, sans investissement. Seulement 2 ans. Ouais, parce que. Seulement 2 ans. Alors que. Ça joue pas beaucoup, hein. C'est. Il est bien équipé en RAM, bonne carte graphique, je veux dire, tu es tranquille. Ce qu'il y a, c'est que. Un article américain, un article américain que vous regardez sur internet, qui est paru il y a 3 jours, qui concerne Sony, qui travaille sur une console, qui va se brancher à la télé, c'est entièrement du online. Et ça veut dire que toute la puissance qu'il faut pour un jeu, c'est le serveur. Ah oui, ça c'est. Il y a longtemps, hein. Ça veut dire qu'en fait, dès qu'un jeu il va demander plus de ressources, et ben en fait, c'est les serveurs qui vont être changés pour pouvoir pallier à cette ressource. Donc ça veut dire que s'il faut plus de puissance, c'est les serveurs qui vont le donner. Et sur PC, ce sera jamais le cas. Pourquoi? Parce que le PC, c'est celui-là qui travaille les jeux. Donc il faudra toujours plus de puissance, donc il faudra toujours plus d'argent. Donc c'est pour le jeu vidéo, faut être blindé. Voilà, PC c'est pour les riches, clairement. Si tu veux jouer sur PC, faut être riche, faut pouvoir 1000 euros tous les 2 ans. Un bon PC. Oh non, tu peux faire. Non, mais si t'as un PC par exemple gamer, il te suffit juste par exemple de pallier au changement de la carte graphique, c'est tout. Hein, ouais, voilà. C'est toujours de l'investissement, c'est ça. Ah alors oui. Avec la prochaine console de Sony, il n'y a plus d'investissement. Ça, PC. Il n'y aura plus d'investissement, c'est-à-dire que le jeu, tout se passera en online, tout passera par les serveurs. Dance. ROE don't matter anymore. We're playing by the cartel's rules. Anything goes as long as you get what you're after. Rally on me. Et là où j'ai vu où ça se voit beaucoup aussi, c'est dans les magasins, c'est quand t'arrives que tu vois que t'as un tout petit rayon pour la One et tu vois le rayon PS4 qui est. Ouais, c'est dingue, je te jure, c'est dingue ça. Oh là là. Ouais, je pense que je sais pas.
J'ai testé j'arrive aux toilettes. Sur quelques beaux jeux les derniers des deux dernières années sur mon PC. La qualité c'est un bon. Hein. Ouais. Et je me suis pas cru sur la web. C'est pas 15 heures hein, le jeu. Bah attends. C'est genre page d'accueil. Moi je peux pas. Pas 15 heures, c'est 6 heures ce soir. Alors ils ont un problème au niveau des serveurs, ils sont... Oui, je sais pas. Ça se tombe en ce moment, il y en a plein qui essayent d'appuyer, du coup, ben le bordel, tu rentres pas. Ça fait plusieurs fois que je le relance, je peux pas rentrer dans le jeu. Ça veut dire que j'ai appuyé plusieurs fois. Eh, hey, j'ai connu ça, Marcel, tu sais quoi, sur, je me rappelle sur Elder Scrolls en bêta. Oh là là, le bordel. J'avais des copains, je gueulais, moi, parce qu'ils étaient rentrés, je putain, moi, ça fait une heure, j'essaye. Ah ouais, eux, ils étaient rentrés. Bon là je suis sûr qu'il est en saturation le truc. Oh non, moi ça met un panneau, je sais pas si tu le vois, ça met erreur, le serveur s'ouvre 9 mars 2018 à 6h NHP, 14h UTC, mais je suis sûr qu'ils sont plantés sur 14h UTC. Eh ben 14h UTC ça fait 15h hein. Ouais, ouais, pour moi ils sont plantés. Vraiment. Ah bah je sais pas, moi, mais non c'est pas UTC. Mais là on peut pas le savoir. Tu vois ce que je veux dire, on peut pas le savoir. Hein. Nous, moi je me base sur ce que leur indication, donc ça fait 15h chez nous. Après, si on n'arrive pas à se connecter, ou alors eux se sont plantés l'heure, tu vois. 15 moins 8, ça fait combien? C'est ça, 15. Je suis rentré. Ah, merde. Je suis rentré. Putain. Il est rentré, là. Je t'ai dit qu'il y en a qui arrivent à... Ah, ça y est, je suis rentré. Ah, bah, tu vois. Ah, ça va faire plaisir. Oh là, j'ai hâte. Oh là 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 là. Bon, non, mais je veux voir la qualité. Ce qu'ils ont d'après ce que j'ai lu, c'est tout bon, de ceux qui ont essayé au mois de décembre. David, je m'inquiète pas. Quand je vois Monster Hunter et Kingdom Come, je m'inquiète pas. C'est une grosse entreprise, hein. C'est quelle entreprise déjà, je m'en rappelle plus. C'est une entreprise japonaise, mais ils ont eu beaucoup de galères. Merde, son nom. Sur quel serveur, David? Bah attends, parce que pour le moment j'ai un écran tout noir. De toute façon, on n'a qu'un perso, hein, je crois. Ah, il y en a deux serveurs, ils en ont mis deux. Ouais, moi j'ai mis le premier. T'as mis le premier en haut, le 1? Ouais, je pense. Non, bah, attends, j'arrive pas à rentrer. Ouh, chargement. Et moi j'y suis créé un personnage. Ouais, c'est marqué, moi j'ai un message, tu sais, file d'attente, là, bah, je savais, hein. Bah, s'il faut 3 heures pour rentrer dans le bordel. Bah, c'est pour te dire comment le jeu, il a attendu. Ah oui. Eh oui. Là, ça te donne une indication, tu vois. Là, on sent de la température du jeu, tu vois, déjà, de ce qui est attendu. J'arrive pas à rentrer, moi. Sérieux? Ouais, c'est marqué file d'attente l'important. Ah putain, je vais être obligé de prendre le 2. Ah, ça y est. Bah, sauf ça, moi je plains les autres. Hein. Ceux dans 1 heure, 2 heures, c'est même pas la peine. Je vais faire un OF. C'est pas ce qu'il y a comme perso, qu'est-ce qu'il propose? Ah, il y en a plein. Il y en a plein? Ah ouais. Bah attends, ça c'est... Bien sûr, je vois juste une vidéo, j'attends. Sorcier. Ah, il a l'air d'être beau, hein, déjà là. Ah, on peut faire créer un nouveau personnage tout de suite? J'attends la cinématique là, de merde. Oh là là, il est magnifique. Il est magnifique. Ah, ça
Castanic, t'as vu Castanic là, le perso là, elle est jolie elle. Je crois que j'avais un perso comme ça. Ah ouais, ouais, c'est la même. Allez, re. Et c'est quoi comme jeu Terra, David? C'est quoi ça comme jeu? La MMO. Ah ouais. Tiens, moi je l'ai pas. Mais je l'ai pas vu dans les jeux à venir sur le store. C'est bizarre ça. Ah ouais. Ouais, mais regarde quand même dans la boutique, il y a une cueillette. Je vais pas aller voir. Mais je pense pas quoi.